Comment ça va YouTube? Aujourd'hui, je vais vous présenter mon premier manga, Aspen, tube rempli d'encre. Je vais pas vraiment vous mentir, mais celui-là, c'est vraiment mon premier manga, mais en anglais, donc je doute que ça vous concerne. Je vais donc séparer cette vidéo en 4 parties. Qui je suis comme auteur, ce que contient ce livre, les différences entre les deux versions et ce que j'envisage pour le futur. Allons internet, je suis Aspen, j'ai 14 ans et j'ai publié mon premier manga le 31 août 2023. Entre temps, j'ai storyboardé beaucoup de matériel. J'ai dessiné le chapitre 0 de mon manga, mais en ce moment je suis en période de chargement et je vous expliquerai ça plus tard. Maintenant que vous savez un peu plus qui je suis, tant de vous parler de cette masterclass, qu'est-ce qu'il y a dedans. Ça contient 3 one-shots dessinés, un roman entièrement écrit par moi et des storyboards inédits. One-shot. Passe de seinen à silencieux à sci-fi, le roman très émotionnel parce qu'il tient à cœur pour moi, mais je dois vous dire que je les ai écrits, c'était vraiment mes premières œuvres que j'écris, donc elles ne sont pas vraiment les plus compréhensibles. Donc c'est dit, passons aux différences. Bon, il faut dire la taille, et je vous explique. Quand j'ai publié ce manga, en fait j'étais vraiment à fond dans les magazines Gucci, Versace et les mangas de version de luxe. Mais après avoir passé beaucoup de temps à regarder le livre et à voir que combien peu de matériel j'avais, j'ai décidé que cette taille était la meilleure taille. C'est la même taille que les Viz Signature. C'est un peu plus grand que les mangas classiques Kana, Glénat, mais je trouve que c'est la meilleure taille pour mes œuvres. La deuxième différence se passe à l'intérieur. Et regardez bien, c'est blanc. C'est juste blanc. Mais quand on regarde à cette masterclass, cette œuvre d'art, c'est beige, c'est la même couleur. C'est la même couleur qu'un manga normal. Regardez la différence. C'est presque la même couleur qu'ils utilisent dans l'industrie. Donc, je suis très heureux d'avoir choisi cette couleur. Ça le fait avoir juste cette petite plus 1 de professionnalisme. La texture de la couverture est aussi très différente. Pour le premier, j'ai pris une couverture brillante, hein, qui est pour presque tous les mangas. Mais pour le deuxième, j'ai pris une texture mate. Je trouve que ça fait juste un peu différent et ça me donne une raison de vous charger plus. Mais bon, il faut que je vous mentionne quelques défauts avec le livre. Le code QR est sur la couverture. Sur le magasin, vous allez voir le dos du livre. Et il y a cette bordure blanche pour des pages qui ruine beaucoup de pages qui sont supposées d'aller jusqu'au fond de la feuille. Mais bon, on doit faire quelques compromis quand on travaille avec un site qui ne publie pas les bandes dessinées, encore moins les mangas. Tantôt, je vous avais mentionné que j'étais en période de chargement et maintenant, je vous explique ce que ça veut dire. En fait, quand j'avais publié mes premiers mangas, j'utilisais le site KDP, qui est un service gratuit qui vous permet de publier vos histoires en format physique ou en format Kindle et de les mettre sur Amazon. Sur papier, ça sonne extrêmement bien, ça peut aider plein d'artistes à le faire, mais le truc, c'est que je pense que c'est surtout conçu pour les romans, et le site, c'est très difficile à utiliser pour faire des bandes dessinées. Surtout que, à moins que votre livre soit écrit en japonais, vous ne pouvez pas le publier dans le format japonais, donc c'est sûr que vous allez avoir le code QR sur la couverture et j'ai pas encore trouvé de façon à contourner ça.
Et en fait, cet été, je vais passer tout le temps que je peux pour travailler sur le premier chapitre de ma série pour l'envoyer à une vraie maison d'édition du genre Glénat ou Soleil ou encore d'autres. Juste essayer le plus que je peux de me faire publier par une vraie maison d'édition pour que je puisse, un, trouver une façon d'entrer dans le vrai système de manga pour que plus tard, quand je sois adulte, j'ai vraiment une job stable en tant que mangaka. Et deux, parce que c'est vraiment juste un enfer utiliser KDP. Si vous pouvez l'utiliser, je sais bien pour les premiers œuvres que vous publiez, mais à long terme, c'est je ne pense pas que c'est le meilleur. Et ne vous inquiétez pas, j'ai encore plein d'idées. Au pire, je les publie en ligne. C'est pas le meilleur que j'aurais aimé, mais je veux vraiment vous montrer ces histoires. Comme vous voyez, les vidéos, c'est pas vraiment mon truc, je publie ça sur mon laptop. Je suis tout seul dans ma chambre, il n'y a personne. Et je vais sûrement devoir l'éditer tout seul, comme j'ai fait avec mes mangas. Mais bon, j'espère un jour ça va changer et que je vais pouvoir vous montrer à combien j'ai travaillé sur ces séries. J'ai plein de storyboards, plein d'idées dans mon drive, c'est rempli que de ça à vous montrer. Et donc j'espère que vous resterez avec moi pour tout ce chemin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais essayer de mettre le lien dans la description de la vidéo. Mais sinon, Aspen se remplit d'encre sur Amazon. Et ça sera tout pour moi. Merci.